Bonjour. Je suppose que tout le monde parle français. Si vous voulez que je parle, fasse en anglais la session, c'est le moment de vous. If you want me to do the session in English, this is the moment to say it. Otherwise, I would do it in French. OK. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Ça va? OK, parfait. Donc, je ne serai pas en train de regarder la vidéo, tout ça, etc. Je suis sous Miro là. Et est-ce que vous arrivez à lire, juste ça, est-ce que vous arrivez à lire quand j'ai mis sous Miro? C'est le truc important. Ouais, parfait, parfait. Merci beaucoup. Donc, je ne vois plus votre chat là tout de suite. Je suis juste sous Miro. Et on va démarrer. Du coup. Comme le titre de la session le dit, les grandes comparaisons sont des panoptiques. Les coachs agiles sont des jésuites. Et du coup, c'est ça que je vais parler aujourd'hui. Du coup, on va parler, au menu, on va parler de panopticon. On va parler de colonialisme. On va parler de systémique. On va commencer par systémique, d'ailleurs. On va commencer par un petit factoïde qui je trouve important pour comprendre la systémique. Le virus de l'Ebola est un prédateur de la compassion et de la pauvreté humaine. Attention, cette présentation contiendra des erreurs de frappe. Alors, le virus de l'Ebola est un prédateur de la compassion et de la pauvreté humaine. C'est un point central qui va tenir tout le reste. En gros, le virus de l'Ebola ne connaît pas l'être humain, ne sait pas que l'être humain existe. Du coup, ça peut paraître un peu bizarre, cette idée de qu'il puisse être un prédateur de la compassion, de la pauvreté humaine. Pourtant, c'est le cas. Il y a 40 000 personnes en moyenne qui meurent d'Ebola tous les ans. Il y a une bonne centaine qui sont infectés par des raisons primaires, c'est-à-dire qu'ils mangent de la viande qui contient de l'Ebola, de la viande de chasse qui contient de l'Ebola. C'est en gros la manière la plus récurrente de prendre l'Ebola dans la nature comme ça. Et ça ne dépasse pas la centaine de personnes qui prennent ça. Il y a environ 40 000 qui meurent. Du coup, les gens qui sont infectés de manière primaire, c'est négligeable. Les gens qui meurent de l'Ebola, la 99,9999% des gens qui meurent de l'Ebola, c'est parce qu'il y avait un malade d'Ebola. Et on a décidé de prendre soin de cette personne. Et donc on est infecté. Parce qu'Ebola ne passe pas par l'air. Il ne passe pas non plus par des gouttelettes dans l'air comme le Covid. L'Ebola, il passe par contact avec fluide. Donc pour pouvoir prendre l'Ebola, il faut qu'on prenne soin de quelqu'un qui a l'Ebola. Et ça va vite. Du coup, ce qui arrive, c'est qu'un premier malade, quelqu'un va prendre soin de ces malades. Cette personne tombe malade, maintenant on a deux malades. Quelqu'un va prendre soin de ces deux malades. Maintenant, il y a trois malades. Ainsi de suite. 40 000 morts. Et l'Ebola ne sait même pas que l'être humain existe. Donc, il n'a aucune envie de le faire. Aucun être humain, je pars du principe que le nombre d'êtres humains qui ont envie de mourir en faisant ça est négligeable aussi. Comme ça, je parle du principe aveuglement. Donc, c'est pas une grande vague de suicide par Ebola. Déjà parce que de manière vachement plus simple de se suicider que sans fait que c'est par Ebola, c'est vachement douloureux, horrible. En fait, il y a personne dans ce système qui a envie de ce résultat. Il y a personne qui a, les gens qui tombent malades n'ont pas envie de tomber malades. Les gens qui prennent soin des gens malades n'ont pas envie de tomber malades. L'Ebola n'a aucune envie spécifique vis-à-vis de l'être humain. N'a aucune agence dans cette histoire. Et quand même, ça se fait. C'est ça, les amis, l'idée d'un comportement émergent. Un comportement qu'aucune personne dans le système, aucune entité dans le système avait envie. Ce n'était pas une décision, il n'y avait pas un Illuminati, il n'avait pas un chef là-haut, quelqu'un qui pilotait la baraque entière. C'est juste qu'on en met la somme de réactions des gens. Ça donne ça.
ça émerge ce comportement-là. Donc l'Ebola est une machine. L'Ebola et l'être humain forment une machine ensemble, un système ensemble. Et cette machine ensemble a pour but de tuer plein d'êtres humains. Alors qu'aucune entité de ce système a ce but. Et ça marche parce qu'on a de la compassion. C'est-à-dire que ces démons, on était tous des gros connards, de connasses, et qui ont décidé que laisser quelqu'un mourir de manière atroce sans prendre soin de cette personne est acceptable. Le nombre de morts de l'Ebola serait 200 par an, plutôt que 40 000. Donc c'est grâce au fait qu'il y a de la compassion que ça tue. Et si demain on était tous riches, ben ça arriverait comme aux États-Unis. Aux États-Unis, pendant l'épidémie d'Ebola états-unienne, il y a eu quelque chose comme deux infectés initiales, trois, quatre morts au total. Parce que, en étant assez riche, on a de la capacité de faire une quarantaine qui tient la route et défendre les gens qui sont soignants de se faire infecter. Et du coup, l'Ebola ne connaît pas la pauvreté humaine, ne connaît pas la compassion humaine. C'est juste le comportement de l'Ebola et le comportement des êtres humains se chevauchent les uns aux autres et créent un système global qui lui a un comportement qui est triste. Ça a du sens? N'hésitez pas à m'interrompre, lever la main, quelque chose comme ça. Si je ne suis pas compréhensible, ça n'a pas de sens ce que je dis, même dire dans le chat. Et du coup, on est en train de parler de comportement émergent. Aucune entité du système voulait ce comportement. Et pourtant, il arrive. J'étais avec plusieurs équipes et je vois un même comportement arriver qui est émergent aussi. Une équipe que j'adore, merci à vous, vous allez vous reconnaître à nouveau. Une fois arrivé, pendant que je le coachais, il disait « Roméo, on a trop de bugs. » Et je dis, OK, vous avez trop de bugs. Pourquoi? À quoi voyez-vous que vous avez trop de bugs? Et on discute. Et on met en place des systèmes, des gens pour faire le gardien des bugs, des choses comme ça. Enfin, tout un système. Et ils continuent à avoir trop de bugs. Du coup, je commence à discuter avec eux, m'intéresser à qu'est-ce qu'ils considèrent comme étant un bug. Je lui dis, vous avez beaucoup de bugs qui viennent de prod, c'est ça? La prod tombe, des choses comme ça arrive fréquemment? Et ils me disent, non. C'est nos QA qui trouvent nos bugs. Je dis, c'est cool. C'est plutôt leur boulot. Et vos QA, ils sont en train de faire des tests sur votre prod et ils trouvent beaucoup de bugs, c'est ça? Et ils me disent, non, pas sur la prod. Ils trouvent le bug avant la prod. Je dis, c'est cool. C'est leur boulot. Mais du coup, pourquoi c'est des bugs? Et au fil de cette discussion, et spoiler alert, on a fini pour comprendre qu'ils avaient un petit système. Les devs, ils considéraient qu'une tâche, elle était done au moment où ils l'envoyaient au QA. Donc le sprint dev finissait de cette équipe. Il finissait quand le dev considérait qu'il avait fini. Il envoyait toute une livraison au QA pour que l'équipe du QA valide. Et c'était fin. Donc on démarre. Notre sprint planning, notre sprint. Et les QA commençaient leur travail. Ce qui arrivait, du coup, c'est que les QA faisaient leur travail et ils trouvaient des bugs. Et du coup, pendant le deuxième sprint, on commençait, le sprint plus un, on commençait à trouver le bug du sprint qu'on vient de finir. Et du coup, t'as cette machine formée par deux entités, l'entité de l'équipe dev et l'entité de l'entité de l'équipe de QA, qui fait l'équipe de dev finit, envoie l'équipe de QA, l'équipe de QA travaille, l'équipe de dev commence à travailler, l'équipe de QA envoie de retour au milieu de l'esprint là. Du coup, les devs ont maintenant tout ce qu'ils ont prévu de faire de leur esprint parce qu'ils n'ont pas prévu de temps pour le retour de QA.
plus tout ce qui arrivait de QA, ça explose leur sprint. Du coup, ils finissent plein de choses, ils sont ronchants, ils envoient un autre paquet fini, et le comportement se répète. Du coup, ces deux équipes ensemble, elles forment une machine, un système. Cette machine, elle a un but qui émerge, un but qui n'est pas choisi par personne dans le système. Mais le but de la machine est créer des rapports de bugs. C'est pas un but conscient, mais c'est le but de la machine quand même. Et du coup, le but de la machine du système n'est pas toujours conscient. C'est souvent un comportement émergent. Souvent. Souvent ignoré des entités du système. OK? All right. Du coup, je vais parler avec vous un peu de panoptique. Et après, on va mettre tout ça ensemble. So, le panoptique était une création de Bertam. Je vais trouver Bertam. Tu vois, Bertam. Oups. Bertam. J'oublie toujours son nom. Donc, c'est ce monsieur-là. Vous pouvez voir dans cette image. Je vous mens pas. Cette tête-là, c'est la vraie tête à Bentham qui a décidé dans sa mort de... Il a décidé de créer une momie de lui-même dans sa mort, en fait. Il est visible en musée aux États-Unis. Bentham, il était utilitariste. Donc, les utilitaristes, c'est les philosophes qui croient que le bonheur de la majorité est même la définition même de vertu. Et du coup, tout ce qu'on peut faire pour augmenter le bonheur de plus grand nombre est la voie la plus éthique. Et du coup, un sacrifice personnel vers un bonheur global est quelque chose de bon, de vertueux. Et du coup, normal. Comme quelqu'un qui veut le bonheur de tout le monde, il a créé un modèle de prison. Bien sûr. Tout à fait logique. En fait, oui, c'est logique. J'ai me fous de la gueule de Bentham, mais il a vu qu'il y avait une souffrance globale dans les prisons. Il voulait réduire cette souffrance-là. Et réduire cette souffrance-là, et nous ont donné autant de souffrance à la société. Donc ça reste logique. Et le modèle de prison de Bentham, il voulait créer la prison parfaite. Qu'il a appelé le panoptique. Alors, ça n'a pas existé qu'un construct théorique, comme vous pouvez voir. Il y a plein de panoptiques qui ont été créés dans la vraie vie. Il a créé l'idée et il y a plein de gens qui se sont dit, l'idée est bonne, on va le construire. Donc, c'est quoi le panoptique? Le panoptique, c'est comme le nom nous dit, pan, ça veut dire tout. Optique, voir. On voit tout. En fait, l'idée de panoptique, que ça repose sur trois piliers. Non, bon, ça c'est. Je me devance. L'idée de panoptique, c'est que les gardes peuvent tout voir. Et qu'à partir de ça, on a des prisonniers qui vont se comporter plus. Et comme ils peuvent se comporter plus, on va avoir moins de violence, moins de problèmes, et de prisons qui vont s'y mieux porter. Et ça a été essayé. Plein de pays ont fait des panoptiques.
Vous pouvez voir des ruines, des trucs comme ça, des images de prisons politiques qui ont été créées dans plein de pays, en fait, aux États-Unis, au Brésil. Ça a été un vrai modèle qui a été suivi. Et Bentham a fait ça avec les meilleures intentions du monde, je ne nie pas. Il voulait vraiment monter le bonheur du peuple. Et il y a un monsieur beaucoup plus sexy que Bentham, qui s'appelle Michel Foucault, qui est aussi mort depuis. Foucault, quelques temps après Bentham, nous a écrit un livre qui est magnifique et très dur à lire parce que ça fait mal au cœur, qui s'appelle Surveiller et punir. Je vous conseille ce livre. Surveiller et punir. Et dans Surveiller et punir, il nous montre que le panoptique est une machine à rendre les gens fous, est un système, c'est un comportement émergent du système. Ce n'est pas l'intention du créateur, ce n'est pas l'intention des entités du système, mais c'est le comportement qui en émerge. Donc, il dit que le panoptique, il repose sur trois piliers. Un premier pilier, c'est les prisonniers parents pour les gardes. C'est-à-dire que les prisonniers peuvent être vus par les gardes tout le temps et les savent. C'est-à-dire que les prisonniers savent qu'ils peuvent être vus par les gardes tout le temps. Un autre pilier, c'est les gardes sont opaques des prisonniers. Et le savent. Donc, les prisonniers ne peuvent pas, eux, voir les gardes tout le temps. Ils peuvent être vus de gardes tout le temps, mais savent qu'ils peuvent être vus à n'importe quel instant. Ils ne savent pas quand ils sont vus. Et le troisième pilier, c'est les prisonniers ne parlent pas entre eux. Du coup, Foucault, il fait ce dessin de panoptique sur ces trois bases-là, ces trois piliers-là. Et la manière comment on fait ça, il y a plein de manières qu'on peut faire ça. On pourrait mettre les gens dans des prisons solitaires avec des caméras. La manière la moins chère qu'on a trouvée, c'est celle qui est dessinée quand vous cherchez sur Internet, panoptique. C'est, en gros, j'ai créé une prison qui est un cylindre et je mets une tour au milieu. Si je fais ça, en gros, les prisonniers ne voient pas nécessairement le garde dans la tour. Les gardes sont dans la tour, les prisonniers sont dans le mur. Et les gardes peuvent voir n'importe quel prisonnier à n'importe quel moment. C'est pratique. Et comme du coup, les prisonniers sont dans le mur, ils ne sont pas en contact les uns avec les autres. Et s'ils commencent à trop parler entre eux, les gardes peuvent les empêcher. C'est comme ça qu'on a créé dans la vraie vie des panoptiques pas chers. Et le truc, l'idée était bonne. L'idée était bonne. Et Foucault nous montre que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Il nous montre que quand tu mets ces trois choses ensemble, tu finis pour conditionner les gens dedans. Donc, au départ, on va passer par trois phases. Au départ, les prisonniers se comportent car ils ont peur d'être punis. Donc, on pourrait même enlever les gardes la plupart du temps. Sauf qu'on a un nouveau prisonnier. Qu'on a un nouveau prisonnier, il faut garder les gardes. Il faut qu'il, chaque fois qu'il fait quelque chose un peu à tort à travers, on donne un signe que ça ne s'est pas accepté. Et du coup, le prisonnier, dans sa petite cellule, tout seul, à savoir qu'il n'est pas vu n'importe quel instant, commence à obéir au système et dire, OK, si je fais quelque chose, ça va être vu. Et je suis vu, je peux être vu n'importe quel moment. Et il ne voit pas les gardes, donc il ne sait pas quand il va être vu. Donc au départ, ça marche tel que Bentham avait prévu. Puis, à force de faire ça, l'être humain a une capacité de rationaliser énorme.
À répétition, l'être humain rationalise sa situation. Et du coup, le prisonnier devient son propre garde. Le panoptique, du coup, programme l'être humain. L'être humain, dans sa situation, il finit pour justifier à soi-même que sa situation est juste et se convaincre. Et commence à être son propre petit garde. Et commence à se surveiller lui-même et se punir lui-même. Et du coup, on vient de casser quelqu'un, en fait, au moment où on a fait ça. Mais il devient, pour le coup, de casser quelqu'un qui devient, du coup, très, très, un membre de la société qui est très obéissant. Ça, avec un certain taux, et plus on passe de temps dans cet état-là, plus, overtime, l'être humain est un animal social peu adapté à l'isolation et devient fou. Je prends de gros raccourcis, mais parce que c'est pas un cours sur Foucault. Parce que Foucault ne croyait pas à la folie de l'enfance, on croit nous. C'est un gros raccourci, un peu grossier. Mais l'idée est de vous connecter à ça. D'accord? Et du coup, c'est une machine à broyer des gens, en fait. Le panoptique est une machine à broyer des gens. Alors, ce que Foucault va faire et que je ne vais pas faire là, mais son livre défend ça, c'est qu'en fait, on retrouve ces trois piliers dans la société tout entière, en toutes choses. Dans les écoles, dans les entreprises, dans un peu tout, à des niveaux différents. Et qu'en fait, on a construit une société qui se comporte comme un panoptique. Et on a construit une société qui oppresse les gens et qui les donne à ces trois phases-là et qui donne à des niveaux différents et des timelines différents. C'est juste très accéléré dans une prison panoptique. Mais on fait ça avec tout le monde de plein de manières différentes. Et il défend qu'on devrait arrêter. Je vais juste zoomer parce que mon titre, c'est « Les grandes corporations sont des petits panoptiques ». N'est-ce pas? Et je vais parler des grandes corporations. Et à nouveau, c'est un comportement émergent du système. Il n'y a personne qui a désiré ça, de la même manière que Bentham ne voulait pas ça. OK? Et les grandes corporations. En tant que coach, il y a une quantité énorme de fois de ma vie où j'ai... Il y a une coach énorme de fois dans ma vie qui, en tant que coach, j'arrive sur une équipe. Je suis payé plutôt cher à les aider à faire un truc X. Je n'ai même pas besoin de dire quel truc X. Ça vaut pour n'importe quel truc X. Un truc X. Et dès que je commence à les dire, essayons de faire ensemble un truc X, ils me répondent très couramment, on n'a pas le droit de faire ça ici. Et en fait, ce qu'ils démontrent là, c'est qu'ils sont déjà dans cette étape 2. Le prisonnier devient son propre garde. Ils sont déjà leur propre police d'eux-mêmes. Ils sont déjà dans l'auto-surveillance, dans l'auto-punition et dans l'auto-enforcement de règles de système pour dire non, faire tel truc est interdit. Et j'essaie de l'expliquer que c'est interdit. Sans une hiérarchie, ne serait pas en train de me payer assez cher pour essayer de les aider à le faire. Et c'est une déconstruction qui a lieu plein de fois au départ. Et du coup, un constat que j'ai fait. La plupart des équipes sont déjà conditionnées à être leurs propre garde. Et du coup, je regarde et j'essaie de trouver, et je trouve beaucoup, les trois piliers de Foucault, en fait. Où sont le fait que les prisonniers sont transparents par les gardes, où sont le fait que les gardes ne sont pas que les prisonniers, où sont le fait que les prisonniers ne parlent pas entre eux. Et en fait,
Je trouve à plein d'endroits, je vais vous donner un exemple. Si je considère, par exemple, que prisonnier égale équipe, par exemple, d'œufs. C'est un exemple. Et si je pars du principe que garde égale manager, bah, tout de suite, en fait, il est aisé de voir que dans beaucoup d'entreprises, on retrouve un schéma dans lequel l'équipe est transparente des managers. C'est-à-dire, le manager réclame tous les jours de la visibilité et transparence de l'équipe. Je dis pas que la visibilité et la transparence, c'est quelque chose de mauvais. De la même manière que je suis pas en train de dire que le fait qu'un garde regarde un prisonnier en soi tout seul est mauvais. Okay? Mais je ne veux pas nier que on a ce que j'appelle une, je vais répéter ça plusieurs fois, grande entreprise fétichise contrôle. Je vais arriver sur ça après. Il y a une fétichisation de contrôle dans l'entreprise. Et du coup, par cette fétichisation de contrôle, le rôle de manager est relégué à un rôle de contrôle, un rôle de flicage, presque, dans beaucoup d'équipes. Pas toute équipe, bien sûr, mais dans beaucoup d'équipes, dans beaucoup de cas de manager. L'équipe est transparente, du coup, du manager. Il est réclamé qu'elle le soit. Ensuite, le manager ou la manager, les managers, pluriel, les managers sont transparents, sont opaques des équipes. C'est-à-dire, ne donnent pas visibilité et transparence aux équipes. Donc, du bas vers le haut, on doit être transparent. Du haut vers le bas, on est opaque. On essaye de communiquer le moins possible. On essaye d'expliquer les choses au moment où il y a besoin. On prend des décisions. On va peut-être les annoncer un mois après, 3 mois après, au moment où on n'a plus le choix. Même des fois, des décisions il y a des gens qui vont partir, des choses comme ça. Enfin, c'est récurrent. Un schéma. Pas tout le temps, mais c'est récurrent comme schéma. Et il n'y a rien que l'oblige, mais ce que je constate, les équipes ne parlent entre elles. Et du coup, on arrive à cette vision de, on a les trois piliers de Foucault, à nouveau, de point de vue par Foucault. C'est pas exactement comme le panoptique parce que les gens retournent chez eux le soir, par exemple. Ils sont pas enfermés comme ça, full time. Mais les effets, plus lentement, sont plus ou moins les mêmes. En fait. Et je vois ça beaucoup. Et du coup, quelque chose que j'ai essayé plusieurs fois, moi, dans des équipes, c'est aléatoirement, pour voir comment ça se passe, prendre un de ces trois piliers-là et essayer de le casser. Alors, à nouveau, hein, je ne sais pas où ce système va aller, mais je me dis, en cassant une de ses jambes, il est inévitable que le système change. Par raison. C'est des choses que j'essaie. Et du coup, l'entreprise se comporte comme une petite version du panoptique. Et ce comportement n'est pas désiré. N'est pas voulu, n'est pas, et à aucun moment, il y a quelqu'un qui a pris la big picture de tout ça et se dit, j'ai voulu faire ça. Il n'y a pas une conspiration, il n'y a pas une illuminati. D'ailleurs, ce que je décris est vrai à tout niveau d'hierarchie. J'ai monté même à niveau, tu vois, N plus 11. Et en fait, dès que je compare deux couches, on a le même comportement, en fait. Il n'y a pas un manager qu'on ne regardait pas vos managers en disant, c'est un connard qui a envie de me faire ça, en fait. Il y a une pièce de système comme vous. Tout le temps. Une pièce comme une autre.
Et le comportement est tout aussi émergent. De la même manière que le virus de l'Ebola n'a strictement aucune spéciale intention de vous faire mal. Le manager, il est en train de vivre sa vie dans un système. Et il n'a pas spécialement conscience de ce qui se passe. Et cette inconscience permet que les choses se passent comme elles se passent. Jusqu'à là, ça a du sens? Et du coup, si vous voulez s'intéresser à la systémique, parce que là, c'est juste un petit avant-goût. L'idée de ce talk, c'est déjà que vous touchez un peu à la systémique et vous vous dites, OK, je vois le problème. Vous voulez entrer dans une introduction à la systémique qui est bonne, qui vous explique comment agir du coup et comment on fait face à un système. Je vous conseille le livre de Donnell H. Meadows qui s'appelle Thinking in Systems. C'est pas la lecture la plus agréable, mais c'est la meilleure intro que je connais pour la pensée systémique. Pour vous aider à vous en sortir dans cette situation-là. OK, maintenant, on dit qu'on allait parler de jésuites, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un truc qui est marrant, quoi. En tant que coach, on aime vraiment beaucoup se considérer comme étant extérieur au système. C'est impossible, par défaut. On a un rôle, en fait. On est à l'intérieur. Et d'ailleurs, j'étais avec des clients où je me suis dit, OK, je vois quel est mon rôle officiel. J'ai décidé de ne pas le prendre. Tu vois? Mon rôle officiel, c'est d'être jésuite. Et du coup, on va parler des jésuites. Tu vois, je suis brésilien. La dernière fois que j'ai donné cette analogie sur YouTube, il y a des gens qui disent c'est une analogie qui est très très mauvaise, Roméo, etc., etc., etc. Je comprends que certains parmi vous ont une idée vachement différente des jésuites. Mais je suis brésilien et je peux parler de l'histoire telle qu'elle est racontée par mon peuple. Je viens de la forêt amazonienne. Je suis né à Manaus, au milieu de la forêt amazonienne. C'est la plus grosse ville de la forêt amazonienne. Et il y a tout le reste de la culture des Amérindiens. N'est-ce pas? Il y a un truc qui est assez intéressant des Amérindiens, c'est que ils ont été considérés par les Portugais comme des feignants. Et leur culture est une culture qui ne rend pas comme étant noble le travail. Ils ne considèrent pas ça comme étant quelque chose de spécialement bon. Ils ne sont pas calvinistes, quoi, au contraire des États-Unis. Et considère qu'on doit ensemble travailler le minimum pour fournir le bonheur, le confort de groupe. Et c'est tout. Ils sont beaucoup dans le loisir. Et dès qu'on a essayé de les rendre esclaves, l'idée de passer la journée entière à travailler est quelque chose qui le déprimait. Et il s'est laissé mourir. Tout bêtement. Du coup, c'était très dur, vraiment très dur, de rendre esclave un Indien. Il est tombé complètement dans la dépression, dans l'apathie, en fait. Et du coup, ils mouraient. Une vie d'esclave n'avait pas de sens pour eux. Et du coup, ils mouraient. Et du coup, les Portugais n'ont pas vu l'utilité aux Indiens, commencer à les massacrer. Et on commençait le commerce triangulaire, ils ont commencé à apporter des Africains. Qui eux étaient plus esclavisables. Pas que l'Africain, lui, avait une responsabilité de son esclavagisme, c'est pas en train de défendre qu'il y avait une faute quelconque dans la chose. C'est qu'il y en a, dans le système tel qu'il montait par l'Africain, le comportement émergent, c'est que l'Africain était plus esclavisable que l'Indien. C'était plus possible, il tenait assez à sa vie, en tout cas, pour vivre une vie d'esclave. Alors que l'Indien ne tenait pas assez à sa vie pour ça. Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne pas tenir sa vie, c'est une bonne chose. Et du coup, il y a un groupe de personnes qui ont réussi à rendre les Indiens esclaves. C'était les Jésuites. Les Jésuites, ils sont venus, ils ont dit, les Indiens qui sont en train de faire massacrer, c'est quand même des enfants de Dieu. Il faut qu'on leur rende le catéchisme. Il faut qu'on le fasse voir Dieu. Et en le faisant voir Dieu, ils ont donné aux Indiens la peur de la mort.
et en donnant aux Indiens la part de la mort. Ils ont réussi à transformer un grand nombre d'Indiens en esclaves. Alors les jésuites n'avaient pas cette intention. C'était pas le but premier des jésuites n'était pas rendre les Indiens esclaves. C'est un comportement émergent. Lui, il était juste dans son idée de prosélytiser. Mais le résultat final dans le système, c'est que le rôle de jésuite, c'est d'être capable de rendre les gens esclaves. Alors que jésuite n'a qu'un croyant, un vrai croyant, de quelque chose de mieux. Et en fait, le coach agile est une forme moderne de jésuite. Ce que je me suis dit, c'est, en fait, on a, comme le gouvernement portugais, la couronne portugaise à l'époque de colonisation brésilienne, tu vois, on a voir l'armée et on a voir les jésuites. La couronne, elle se dit, il faut transformer ces gens là-bas. Dans notre entreprise, la couronne nous dit, il faut transformer ces gens là-bas. Et ils ne disent pas, il faut nous transformer nous. Ils disent, il faut transformer ces gens là-bas. Transformer par la boîte entière, juste les gueux. Et on envoie du coup l'armée en tant que manager. Les managers allaient frapper pour. Et on envoie le vrai croyant pour les catéchiser. Et du coup, c'est une forme de colonialisme. Et du coup, je me suis dit, ok, je vois que je suis payé pour ça. Ça ne me va pas trop. Mais en même temps, je peux choisir de faire autrement. Et du coup, je me suis dit, je peux très clairement distribuer des armes à la population. Révolution, tu vois. Naïvement, je me suis dit ça. Et je me suis rendu compte à ce moment-là. C'est une autre forme de colonialisme. Juste que cette fois-ci, c'était moi le colonisateur. Et qu'en fait, il n'y aura pas de transformation tant qu'on n'a pas tous à se transformer. Du coup, je vais écrire ça. On veut transformer les gueux tant que c'est nous. Versus eux. Il aura colonisation. Les managers sont l'armée. Les croyants sont de jésuites. Et du coup, tant qu'on n'est pas à se transformer ensemble, on colonialise. Et du coup, ça pose deux problèmes. Un, il faut accepter en tant que coach de se transformer avec. Deux, il faut avoir un pacte sur toutes les couches de l'entreprise. Et là, c'est délicat. Parce que, quand vous ne négligez peut-être pas, vous savez peut-être, le C-level de CAC 40. Alors, on pourrait dire, bah, Roméo, la solution, c'est qu'il ne faut pas coacher les grosses boîtes. Ça, j'accepte. C'est une conclusion possible. C'est une conclusion possible. Ce n'est pas la mienne, mais c'est une conclusion possible. De dire, non, attaquons juste les petites boîtes. Comme ça, on a accès à tout le monde. On se transforme avec, on transforme les gens. On évolue. On arrête le colonialisme. On casse ce système. J'accepte. C'est une voie. C'est une voie. Tout à fait noble et que ce n'est pas la mienne. Et sinon, l'autre voie, si on veut changer, essayer de changer une grosse boîte. Bah, il faut arriver à avoir de l'impact de partout. Problème. Dans les grosses boîtes, le C-level des boîtes de CAC 40, grosso modo, il y a un nombre très limité de boîtes qui arrivent à avoir vraiment de l'impact avec eux. Vraiment leur oreille à fond. Il y a de Boston Consulting Group, BCG. Il y a McKinsey. Il y a Bain. Grosso modo. Après, il y a d'autres qui naviguent un peu autour, mais massivement, c'est ces trois-là. Ce que nous fait entrer l'armée aussi de consultants dans l'histoire. Et c'est ça que j'ai fait. J'ai
Je participe dans un projet artistique depuis. La première fois que je donnais stock, c'était pas vrai encore à l'époque. Dans lequel je travaille avec The Boston Consulting Group. Et on essaye de se entraider. Et je ne sais pas si ça marchera ou pas. On essaye de se entraider à faire cet impact, à nous transformer ensemble, avec tous les étages de la boîte. Et cette démarche ensemble, j'essaye de la partager avec plein d'autres coachs. Et si vous êtes intéressés, discutez de ça un peu. Je n'ai pas dit que c'est un grand succès encore, mais j'essaye. J'ai encore 10 minutes. J'ai encore 10 minutes. Et du coup, il y a une tentative de ça. Je ne dis pas qu'elle va marcher, mais une tentative de ça. Pourquoi le système se comporte de cette manière-là? J'aurais dit que toute grosse boîte, toute grosse entreprise fétichise le contrôle. Et je vais entrer un peu plus de détails dans ça. En fait, on a peur du risque. C'est une partie du système. Une partie de, j'essaie de dessiner le système pour vous. Une partie du système qui a une peur du risque. Pourquoi on a cette peur du risque? Parce que on prend déjà un risque énorme tous les ans en tant que boîte. C'est le risque. Je disais, toute entreprise fétichise le contrôle. Parce que toute entreprise prend un risque énorme tous les ans, qu'elle risque la croissance. Et toute entreprise, toute grosse entreprise, trouve que grandir, c'est vertueux, c'est nécessaire. Et du coup, ça donne du coup un risque énorme pris tous les ans de grandir. Et ce risque énorme fait qu'il y a toute une force énorme d'essayer de couper tous les autres risques. Et cette force énorme va de haut vers le bas. Et comme toute chose dans une grosse entreprise, va vers le bas, c'est exagéré à chaque descente. Donc, une phrase dit là-haut, elle arrive tout en bas, 20 000 fois plus exagérée. Les gens émettent à chaque fois une espèce de téléphone arabe. Je déteste ce nom. Si quelqu'un arrive à me trouver un meilleur nom pour téléphone arabe qu'un téléphone arabe, je trouve raciste. Je suis preneur. Et du coup, il y a cette déperdition continuelle qui fait qu'on met nos anxiétés. Radio Moquette. Merci, Pablo. Il y a une radio Moquette. Qui se fait. Non, Radio Moquette, non. Bon, peu importe. Qui se fait. Et avec une dépression, avec une exagération. Et du coup, toutes nos anxiétés de chaque niveau sont ajoutées. Et du coup, on regarde le contrôle, la prévisibilité comme étant qualité, comme étant quelque chose de bon, comme quelque chose de beau. Mais sauf que la prévisibilité n'est pas succès. On peut de manière prévisible. Être prévisible est de l'embure et le succès n'est pas toujours prévisible. Et du coup, on commence à voir comme noble, comme professionnel, qu'on a fait les choses dans le temps, qu'on a fait les choses de manière prévisible, qu'on a fait les choses dans le budget, qu'on a fait les choses telles qu'on a conçues, qu'on a su voir le futur à l'avance. C'est le truc qu'on désire le plus. Et du coup, on fétichise le contrôle. On met en place tout ce qu'on peut faire pour contrôler plus. Et en fait, ce contrôle n'est pas nécessairement aussi juste un succès. Et toutes les tâches de ce contrôle alimentent le panoptique, en fait. Et du coup, on transforme tout par le prisme de ce contrôle. Et le problème d'un prisme, c'est cette image que j'adore, tu vois, c'est l'image de fork and knife looking at chopsticks. Tu vois? Image, je vais trouver ça sur Internet. Il y a un koala. Voilà, j'adore cette image. Je ne sais pas si vous voyez cette image. On regarde ce qu'on est habitué à. Et du coup, on a besoin d'un prisme de contrôle. On voit tout sous ce prisme. Et la normalité devient ce prisme. Et c'est ça qui alimente ce système. Et merci beaucoup de votre patience. Et merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette histoire. Et je reste complètement disponible à discuter avec vous sur Twitter ou sur LinkedIn ou sur autre. Je vous dis à la prochaine, les amis.
Merci beaucoup, Roméo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer directement à Roméo ou à nous les adresser et on lui fera parvenir. J'ai Merci. la mind map que je viens de faire, je vais envoyer à Maxime un PDF et si vous voulez, vous pouvez le demander. Il vous donnera, j'espère, s'il te plaît, Maxime. Et pouvez me demander aussi Merci directement. beaucoup. Au revoir. Au revoir.